En fait, moi, je ne connais l'IRIS depuis plusieurs années de réputation, mais je n'y suis rattaché que depuis 3 ans. En fait, j'y suis rentré par l'intermédiaire d'un ami qui m'a donc recommandé de rencontrer Pascal Boniface. Son discours m'a plu. J'étais auparavant dans le secteur public sur les questions internationales. Et donc, j'assure aussi un cours de relations internationales à l'école de l'IRIS qui est l'IRISU. Voilà. Alors, ce qui m'a frappé, quels sont pour moi les 3 principaux atouts et qualités de l'IRIS, tels que je peux le voir après 3 ans. La première chose, bien sûr, c'est l'expertise. Je trouve qu'il y a des qualités, il y a des équipes d'une grande qualité sur les domaines de prédilection de l'IRIS. Ça, c'est le premier atout. Le deuxième atout qui me semble important de signaler, c'est l'indépendance de l'IRIS. On sait que son directeur, Pascal Boniface, en a parfois assumé les coûts, mais je pense que c'est un atout majeur qu'il faut bien sûr préserver. Et la dernière qualité qui me frappe, c'est que je voudrais signaler, c'est l'ouverture. L'ouverture, bien sûr, des opinions, des points de vue, la diversité des angles d'analyse et le fait qu'à l'IRIS, il n'y a pas une ligne du parti imposée, ce qui parfois d'ailleurs doit être un peu difficile à gérer, mais en même temps est très très enrichissant. On sait que l'IRIS bénéficie d'une excellente image et d'une bonne notoriété à l'étranger. Le classement de l'Université de Pennsylvanie, Global Go to Think, le met entre la 20e et la 30e place, je crois, sur les domaines de prédilection de l'IRIS historique, c'est-à-dire les questions de politique étrangère, les questions de défense, les questions militaires et de stratégie. Et bien sûr, j'espère, le défi pour l'IRIS, c'est de se développer encore pour l'avenir. Mon sentiment, c'est que dans les années qui viennent, l'activité des think tanks, va devenir de plus en plus concurrentielle parce que de plus en plus observée au plan international avec des exercices de benchmarking de type de celui de l'Université de Pennsylvanie. Et peut-être aussi qu'il va falloir jouer de plus en plus les interactions, les interdisciplinarités entre les différents domaines d'études. Donc, l'IRIS doit effectivement et sans doute jouer sur ses avantages comparatifs, hein, ceux que j'ai signalés tout à l'heure, mais va peut-être sans doute devoir explorer, développer aussi son influence dans de nouveaux domaines qui précisément permettent de croiser les questions militaires, stratégiques, de politique étrangère, économie internationale, relations monétaires internationales, etc. Mais j'ai aucun doute pour ma part sur la capacité de l'IRIS de relever ce défi.